Hey guys, comment ça va? Est-ce que vous avez fait un tour sur le blog? Il y a un nouvel article. www.vanessalabi.com. C'est interdit de partir de ma page sans laisser un commentaire. À tout de suite. Reste avec moi, Ayobami Adebayo. Franchement, le jour que je rencontre l'auteur, je pense que ça va pas bien se passer. Ce qu'elle nous montre dans ce livre, franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Elle vous prend par la main, elle vous balade dans toutes sortes d'émotions. Ce sont de vraies montagnes russes. Elle va vraiment vous malmener, mais ça en vaut le coup. Alors, pour l'histoire, il s'agit de Akin et Yejide. Donc, c'est deux Nigérians qui sont amoureux, ils se marient. Première année, deuxième année, troisième année, il n'y a aucun enfant. Donc, naturellement, dans les familles africaines, en tout cas dans plusieurs familles africaines, on indexe tout de suite la femme. On se dit que bon, s'il n'y a pas d'enfant, c'est parce qu'elle ne sait pas en fabriquer. Du coup, c'est elle la stérile et tous les regards sont sur elle. Et la foudre lui tombe dessus. La belle famille va débarquer chez elle. Ton ventre est ceci, tu es comme ça, toutes sortes de colibés, eh bien, Yejide va les supporter. Faut savoir que dans le livre, quand vous allez lire, franchement, la vérité, hein, c'est que je ne sais pas comment raconter cette histoire-là sans vous faire des spoils, sans vous dévoiler certaines parties. Donc, vraiment, appréciez l'effort que je suis en train de faire pour vous. Voilà, donc dans l'histoire, il y a le frère de Akin qui va entrer en scène et il va avoir des enfants. Donc, Yejide va avoir un premier enfant, un deuxième, un troisième. Et ainsi de suite. Donc, voilà pour la petite histoire. Je ne peux pas en dire plus, sinon même vous allez vous plaindre que je vous ai déjà tout dévoilé. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on questionne vraiment les traditions africaines. Certaines traditions qui ne reconnaissent pas que si jamais il n'y a pas d'enfant dans le couple, ça peut être le fait d'autre chose que de la femme uniquement. Donc, il y a l'emprise de la belle famille sur la famille, sur l'homme. Le questionnement du second bureau qui devient presque légal. Bref, vous allez avoir tout ce cocktail-là dans ce livre. Franchement, quand je lisais, c'était tellement déchirant. Certaines parties étaient tellement déchirantes que ça m'arrivait de prendre mes enfants dans mes bras, de me dire « Seigneur Jésus, garde mes enfants, Seigneur Jésus, garde mes enfants. » Parce que vous allez avoir peur, vous allez pleurer, vous allez avoir de la rage. Et pour la petite histoire, on a participé à un café littéraire et il y avait des équipes. Il y avait l'équipe de Akin qui pensait que Akin avait bien agi. Il y avait l'équipe qui soutenait Yejide. Et puis il y avait aussi l'équipe qui soutenait. Il y a une dame dedans, elle s'appelle Iya Bolu. Elle est particulière, vous allez la découvrir. Donc, laissez-moi vous lire une petite partie. Après mon cycle menstruel, je devais avoir mes règles la semaine qui suivit ma visite à la montagne. Je ne les eus pas. À la fin du mois, mes seins étaient si sensibles que le simple fait de mettre mon soutien-gorge me provoquait des frissons de désir. Et tous les matins, sans exception, je vomissais à 7 heures. Ce passage précisément, quand vous allez le lire, vous allez penser que quelque chose doit se passer, mais je vous assure qu'il ne va pas se passer ce que vous attendiez. Bref, je vais en finir avec tous ces suspenses. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de Akin et Yejide. Reste avec moi. Donc, achetez le livre, lisez-le, discutez-en, ça va vous faire du bien. À très bientôt. Bye bye.